veux que je te dise ce qui va se passer, ok? Voilà, première fois que je viens dans cette région que j'apprécie particulièrement parce que c'est des couleurs, bien sûr, rouge et tout ça. Et... enfin, c'est vraiment un bel endroit. Et donc, oui, alors, faut pas oublier son sifflet, hein, d'accord? Me voilà retourné donc sur ce chemin qui m'a connu il y a 7 ans, je crois, avec Dobson. J'étais monté vers le village abandonné des chercheurs d'or, c'est le village de Amen. Parce que ça fait une époque, c'était sous Louis XV, il y a un paysan du coin qui s'est ramené avec une périte. Comment ils disent ça là, c'est qu'elle était pleine d'or, elle était chargée d'or quoi. Et là ça a déclenché la ruée vers l'or quoi. Enfin beaucoup de gens qui sont venus essayer de trouver de l'or dans cette région. Alors on sait pas trop, certains auraient fait fortune selon la légende, mais on n'a pas trop d'infos là-dessus. J'ai pris ma petite pelle là, avec un peu de chance là, de cocu, je vais retrouver avec un bon morceau d'or quoi. Et donc ils ont prévu de la pluie. Enfin, des fois il prévoit et puis il pleut pas aussi. Hein. Maintenant s'il pleut, je vous dirai une fois que c'est quand il pleut parce que c'est pas sûr que ça me plaise en fait. Mais j'en ai rêvé. J'ai rêvé que je marchais sous la pluie. On va dire, je pensais pas en arriver là, mais. La chaleur qu'il a fait là. Enfin, il faisait trop chaud pour envisager une randonnée. Et là, j'ai vu, ils ont prévu de l'orage et de la pluie. Bah, tant mieux. Avec toujours des petits paysages sur le bras droit là. Sur le Var qui continue de couler. Et là, on voit qu'il a plu dans les hauts, parce que la couleur du Var, vous voyez, elle est marron. Là-bas, on voit le pont de la mariée, encore une histoire dramatique, hein, où il y a un jeune couple qui était venu en voyage de noces, avec une superbe bagnole. Ils sont arrivés avec Guillaume, et ils sont partis le soir visiter... le construction et le gars il est revenu avec sa voiture tout affolé. Ma femme est tombée, elle est tombée de ce pont. La pauvre mariée, elle est tombée, elle s'est tuée de là-haut. Après il y a eu des suspicions comme... parce que le marié lui, un an après, ben il s'est remarié. Hein. Il n'a pas porté le deuil très longtemps le gars. Alors on s'est dit peut-être que finalement c'est le marié qui l'a poussé quoi. Tarder à faire une petite pause parce que là
commence à tirer partout. Il y a une belle vue. On peut faire une pause. Pause pour voir un coup. Dieu le veut ! Allez ! Voilà, on pause. C'est le meilleur moment, c'est ça, c'est... Après, vous faites une pause là, à l'ombre, avec un beau paysage et puis de quoi boire. Une eau encore fraîche. C'est le mont Saint-Honorat. Enfin non, il est derrière. J'avais essayé d'aller là. Et n'oubliez pas que nous répondons de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu et nous vaincrons par la grâce de Dieu. Amen, je ferai une bonne pause. C'est ça qui me soulage. J'ai détaché le petit bouton qui est là, vous voyez, protégé au maximum ma main. Parce que la partie là, est le dos de la main, il est trop exposé. Quoi. Et puis je reviens avec les mains cramées à chaque fois. Et c'est pas bon. Quoi. J'espère apercevoir. Amen. Normalement. Ah voilà, ça y est. Voilà, enfin, putain. Voici donc Amen. Ah, ils ont rénové l'église et tout. Ah, ils ont refait le toit de chapelle. Bonjour. Il y en a qui sont venus rénover la chapelle. Yeah.
après changement de programme, sauf que j'avais l'intention de faire une pause à Amen, mais il y a 4 ou 5 ouvriers là qui sont là pour retaper la chapelle. Je vais pas m'installer là devant eux qui sont en train de. Là, par là-bas, on voit l'itinéraire qui descend là vers la clue d'Amen. C'est par là-bas que j'étais descendu avec Dobson il y a 7 ans. Pour un peu bivouaquer un peu plus par là-bas quoi. Et là, par contre, je m'avance sur cette pistouille qui est blanche. Bordel de merde. J'ai l'impression que ça rajoute un aspect plus sauvage quoi. Quand on sait que le loup habite ici, ça rajoute un aspect sauvage à tout ce truc quoi. Hein? Je suis dans le sauvage. Bordel de merde. Bien fraîche, putain, je sors de ma mini glacière là. Allez. Ah, impeccable. Un petit coin à l'ombre de ce chêne. Soit je remballe tout, je continue, ou soit je m'allonge là un petit peu là, hein, parce que voilà. Ah, je vais peut-être m'allonger un petit peu quoi, pas beaucoup, hein, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, mais suffisant pour se retrouver en meilleure forme. Effectivement, là-bas, là, exactement. Il y a un truc qui a bougé. Alors, je ne peux pas dire ce que c'est. Tout de suite, je me fais des films, quoi. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé la planque du loup. Il y a un truc qui a bougé, ça a attiré mon regard. Hein.
J'ai pas pu identifier ce que ça pourrait être, quoi. Ça peut être un cervidé aussi, hein, monsieur. Mais ça pourrait être un loup, hein, bien sûr. J'ai vu des merdes de loup, une merde de loup tout à l'heure. Hein. Alors peut-être que je suis observé, l'air de rien. L'air de rien, un animal qui est en train de me regarder. Tu t'en vas. En plus, bon là, j'ai une gourde en moins, enfin une bouteille en 1 litre en moins, le reste 2 litres à peu près, un peu moins. Et voilà, me revoit ici en train de marcher sur. Date du paléozoïque. Au niveau paysage, je vais être heureux ici. Ici, je me sens un peu comme dans un film avec Jeremiah Johnson, par exemple, qui va dans les rocheuses. J'arrive à la ruine, je sais plus comment elle s'appelle. Un bassin. Bien sympa, bien vert en plus. Hein. Un berger qui l'a recopé. Oh, c'est là qu'il a fallu que je me pose là. Hein? Non, c'est ici, ouais. Cette herbe bien verte et bien plate là. Je pourrais poser ma tente ici, la peinard là. Donc voilà, encore en pause. C'est ça qui est bien, quand on est tout seul, on n'a pas de pression et on peut s'arrêter. Quoi. Puis je me suis dit, bon, je me carre un drone. Alors je vais faire un essai, vous voyez. Un essai drone. Envie de rester là. Ah. C'est un
faudrait que le soleil soit derrière moi. C'est vrai que on peut pas parler à des divinités comme Zeus. Ah, les Grecs le savaient. Et ces dieux-là, on peut pas leur demander grand-chose. Par contre, il faut pas oublier de les, de leur faire des offrandes, parce que autrement ils risquent de se mettre en colère, vous voyez. Ouais. Alors là, il y avait une seule divinité à qui on pouvait demander des trucs, parce que des fois elle venait mettre un coup de main. Héros, c'est surtout les héros. Alors faut être un héros déjà. Et les Spartiates, hein, les 300 Spartiates là avec Léonidas d'ailleurs, ils s'adressaient à Athéna. Parce que Athéna, c'était la déesse qui venait en aide aux héros. Et comme ils avaient un ego surdémesuré, hein, attention. Donc eh ben, ils se prenaient tous pour des héros. Des fois, ben, ils imploraient des fois, Athéna, viens à mon aide. Oui. Marine, elle est là-bas. Et... Alors, ce serait bien qu'il y ait un abri là-bas. Parce que s'il se met à pleuvoir, mais bon, allez savoir avec Zeus. Par contre, la foudre, ça prévient pas, quoi. Et ça tue, la foudre. C'est vrai que ça intéresse la géologie. Le repère il est là. Si je me le rate, eh ben, je me rate la piste et puis. Et puis voilà, des fois, il ne faut pas se la rater ici parce qu'il y a des précipices. On va penser qu'il y a les cailloux. Hein. Du permien aussi ça. Il y a du vert comme ça. Et du couleur lit de vin qui s'appelle. Et que je remonte. Je suis carrément revenu. J'ai pris une machine à remonter le temps et là je suis sur les terres du Dimétrodon, encore une fois. C'est un animal qui était le super prédateur de son époque. C'est pour ça que j'en parle. Je suis descendu. Remonter de l'autre côté et puis ça monte quoi, depuis effectivement et que ça s'arrête de monter parce que je suis fatigué. Ça va, un peu acide, mais ça passe. Ah ouais, ça passe. Ouais. Elle est carrément super bonne. Je sais pas
si vous pouvez comprendre. Parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre. Ouais. Vous pouvez pas comprendre. On dirait que... Vous pouvez pas comprendre. Ouais, ça va, c'est cool. En fait, c'est super cool, quoi. Ouais, je suis frais comme un gardon. En fait, non. Je veux dire que c'est quand même important qu'il y en ait des phases comme ça, où je me remets en question, vous voyez. Physiquement, moralement. Il y a tout ça qui vous ressort. Et c'est ça qui vaut le coup, quoi, en fait, dans la rando. J'ai une douleur plus forte que les autres. C'est au niveau de la hanche gauche là. Je sens qu'il y a un truc qui va pas là. Ça tire trop. Alors la bonne nouvelle, je la vois. Elle est là-bas. Tout doit être fermé évidemment. J'espère qu'un chantier est fermé. Chantier encore aussi. Ouais, là c'est très dur, on va mettre tout sous le cadenas quoi. Ouais, je pense que ça aurait fait un beau refuge. Et là, il s'est dit ça c'est à moi. Et il n'y a rien d'ailleurs, c'est chez lui, ça y est. Il a mis un cadenas, il a remis 3-4 pierres et voilà dans le cul quoi. Hein? C'est censé être une ruine, ça, hein, je rappelle. Hein. Une petite chapelle, là. Ah, putain. Non, ça va, ils ont laissé ouvert. Passer, ok. Voilà, j'ai monté ma tente. Toujours chiant, ça, monter une tente. À côté, en contrebas de la chapelle, là, en fait. Ici parce que bon, je suis quand même pas mal. Pour réchauffer tout l'intérieur. Cette zone offre toutes les garanties géologiques de succès. Un filon de pyrite aurifère. Oh, ça correspond à un truc comme ça, quoi. Pyrite aurifère. J'ai amené avec moi ma petite pelle. Je vais faire des recherches. Si je trouve une pyrite aurifère. La présence de l'or est donc bien attestée. Une vieille galerie pleine d'os humains dont nous n'avons sur l'origine, la cause ou la provenance pas la moindre tradition dans le pays.
mais qui évidemment présente les caractères d'une bien grande ancienneté. Et en creusant ces galeries dans la dans cette terre rouge, ils sont enterrés vivants, quoi. Ça doit être terrible, quoi. Te retrouver enterré vivant. En parlant de trucs terribles, de morts terribles, alors il y en a une qui est terrible aussi, c'est se faire dévorer vivant. Ça s'est vu avec le loup. Hein. Le loup dévore sa proie. Si elle n'est pas morte, eh ben, ça lui fait une belle jambe, quoi, figurez-vous. Hein. Ça, j'avais lu un truc là-dessus, ça a dégoûté un mec qui il est arrivé à surprendre dans le nord du Canada, là-bas, une attaque de loup sur un... comment ça s'appelle déjà ? Un caribou. Le caribou, ben, il était à terre et on entendait... Alors lui, il était planqué. Lui, c'est un mec qui faisait des photos avec un gros objectif et tout ça. Et il n'en pouvait plus d'entendre crier de souffrance, les cris de souffrance de ce caribou. Alors il prie, il dit, mais putain, mais tuez-le, bordel. Tuez-le, putain. Mais les loups en ont rien à foutre. Et ça a duré pratiquement plus d'une heure. Et au bout d'une heure, il a craqué, il s'est barré, quoi. Il n'en pouvait plus. Les cris de souffrance, c'est terrible. Attention, c'est pas n'importe qui, c'est quand même des gens qui suivent le loup depuis 25 ans. Hein. Eh ben, ils pensent qu'il y a danger. Ils pensent que le loup... Ouais, parce que je me rappelle même sur Arte, des émissions, vous allez voir un gars, un ancien, belle gueule pour nous présenter ça, qui nous disait que oh non, il n'y a aucun danger, non, non. Ne vous inquiétez pas. Si vous rencontrez un loup dans la forêt, gardez votre calme. Mmh. Il y a un risque avec le loup. Voilà. C'est particulièrement pour les gosses, évidemment. Je sais que c'est un prédateur. Donc, s'il crève de faim ou quoi... C'est... Il va pas rester au fond du bois crevé, mourir de faim, quoi. Vous voyez ? Il faut en être conscient. Alors quand on parle de ça, ben ouais, ça plaît pas aux gens. Ah, mamie, parce que le loup, il est anti. Il y a, certains, ils croient que le loup, c'est un mouton. Alors, heureusement, finalement, que les gosses, maintenant, ils restent enfermés chez eux devant une tablette, quoi. Ils sont plus à garder hein, quelques vaches dans un... dans un pré entouré de forêts. Si vous rencontrez un loup dans la forêt, gardez votre calme. Dites-vous que vous avez beaucoup de chance de voir un loup dans la nature. Surtout, ne vous enfuyez pas. Si vous vous mettez à courir, il vous prendra pour une proie et il peut se mettre à vous suivre. C'est un truc, c'est la météo. J'avais prévu risque d'orage, tout ça, quoi. Pour l'instant, c'est cool, quoi. Ah, putain.
pas d'orage, quoi. Soit je reconnais ça, soit je monte là-haut, et une fois là, je m'attaque à la cime du dôme de Barotte. Après, revenir, enfin, j'avais l'intention en tout cas par là, espèce de tirer des pointillés là, qui font la ligne de crête pour revenir dans un vieux village abandonné aussi. Celui-là, il est habité. La voiture, elle est là. Bon, facile à dire, mais on va voir. Après, selon mon humeur, selon la forme, ma forme physique, et puis l'eau aussi, parce que je comptais recompléter ma flotte, et du coup, je me retrouve qu'avec un litre d'eau. Parce que cette eau-là, elle est toute blanche, là. J'étais super content d'avoir trouvé un robinet, je me suis dit ses pieds. Elle est blanche quoi. Bon. En bas ça coule, là je vais compléter ma flotte avec de l'eau qui sort de la terre. Là, et... Sinon j'ai passé une nuit, ça va, ça aurait pu être mieux parce que ma tente elle était pas bien plate, bien à plat. Mais, c'est que ça. Des animaux, ah ouais. Je pense que ça devait être un cerf ou une biche parce que ça faisait mais vraiment grave quoi. Et par rapport au chevreuil, c'était beaucoup, hein, beaucoup plus balèze quoi. Parce que j'étais au bord, à côté d'une piste. Et les animaux se servent de cette piste. Et il y a eu du passage la nuit, j'ai entendu. Voilà,
déjà une inquiétude en moi. Ouais, c'est ça qui est, parce que c'est inquiétude par inquiétude. C'est comme ça que ça marche. Ouais. L'inquiétude maintenant, c'est que je me suis pris 2 kilos de plus, là, l'air de rien. Et ça va monter, là. De bon matin, mais ça va, c'est cool. Il fait bon. Elle est bien, trop jolie. Cette petite fleur. Et toi, je te connais. On va pas se rendre comme ça. J'aime bien quand il y a de la brume comme ça. Bon, il y a tellement de beaux paysages ici. On est trop filmé déjà. J'ai trop filmé de paysages. J'ai été émerveillé hier de voir une prune. Et là maintenant j'en vois 2 partout. Il y a des prunes. Et de partout. Là par exemple. Allez. À chaque fois ici, alors à peine je rentre mon caméscope et puis je le ressors 3 minutes plus tard. Bon, parce que je trouve ça beau, mais. Bon, je sais des fois à l'écran, c'est pas ce que j'attendais, parce que des fois je vois. Il y a des trucs qui m'inspirent et ça rend pas. Et là. Là, ça m'inspire. Il y a une grotte. J'en ai trop, je filme trop. Parce que je suis émerveillé. Et ouais, figurez-vous. Inquiété par le cas où j'ai risque de tout avoir d'eau. Hein. Ah, les sources vont être cool. C'est ça la vie. Quoi. Ouais. Il y a des moments où vous avez envie que ça s'arrête parce que là, j'ai pas tout filmé évidemment, mais. Bon, je monte là. Mal à ma hanche là. Réveillé à nouveau. Je monte, je transpire. Je commence à avoir soif à nouveau là. Mais s'il y a un air frais là, je le sens là, parce que c'est un peu couvert là. Puis je suis en altitude et. Respire, ça fait du bien, c'est pas un air chaud, un air de merde. Ça monte, mais ça va. C'est pas un dénivelé de taré, de quoi ça arrive. Un dénivelé raisonnable. En plus, avec un air bien frais, là. Ça monte en lacet depuis un petit moment. Et là, c'est des virages. Large. J'ai pas compté tous les virages. Ah, il y a la brume qui court dans la montagne. Là. Là,
Et à force de monter, ben, j'y suis, quoi. Je suis arrivé dans les nuages. Et je commence à être en perte d'énergie, là. Fallait s'y attendre. Et puis, ouais, quand on se projette dans le futur, j'ai fait hein, avec ma carte. Il dit voilà, passer par là, et puis il m'a préparé une fois là, on va aller là. Et là, maintenant, je suis dans le présent. Ça n'a pas l'air si loin, quoi. Quand on regarde la carte. Mais le problème, c'est que c'est la montagne. Sont trompeuses, vous voyez. Oh, je vois enfin là-bas une palisse. Et ça me fait plaisir. Oh merde, il y a même pas de numéro. Sur la carte où je suis, parce que le chemin qui continue par là-haut, là. Une patte de fruits. On va retrouver la patate. J'ai besoin. Putain, les cimes pour revenir, c'est ça, quoi. Plus raisonnable que je laisse tomber la cime du dôme de Baroque, parce que je vais partir monter là-haut, dans cette direction-là, pour après revenir, repartir, me taper toutes les cimes pour retrouver ma voiture. À côté, ça me fait chier. Oh putain. Vous entendez ça? Voilà, il y a aussi ça. Ça m'inquiète un peu. Tu t'en vas. Je vais taper une bonne petite montée là. Sous le grondement du tonnerre. Là. Je suis pris un peu à pluie là. Et là j'arrive enfin à. Je suis content, voilà, la valise 130. Et là, quoi. Dôme de Barotte. Allez, faut que je monte par là pour aller au Dôme de Barotte. Mais, vu que j'ai pris déjà un peu de gouttes de pluie, là, et que ça grande et que je me sens pas là, monter jusque là-haut pour redescendre. Décidément, les cimes, c'est pas mon truc, quoi. Voilà la cime du dôme de Barotte. Ah bon, elle était pas loin. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-haut, quoi. En haute montagne, c'est que il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus rien, que de la roche. Que... Vivement l'hiver pour mettre l'anorak bleu ciel. Un peu ça, si c'est un chemin qui est bien tracé comme ça, parce qu'il est en pointillé sur ma carte, celui-là, j'avais un peu peur de le perdre. Puis un petit moment, je suis ce tracé là, dans la montagne qui est. C'est cool parce que c'est pratiquement plat, quoi. Bon, voilà. Là, ma foi, je suis sur le. Au niveau de l'itinéraire, la bonne direction au niveau de la boussole. Un vrai cador de la topo, quoi. À l'ancienne, hein. Attention. Pas avec un GPS ou un je sais pas quoi, là, qui vous dit paf, pile poil, vous êtes là. Ah non, non, ça c'est. Non, moi c'est la carte. Avec en plus, elle est où, hein. Ma petite boussole, de temps en temps, là.
Et pour de temps en temps, me repérer juste ce qui me suffit, voir le nord, l'est, l'ouest, ouais, le nord, où il est. C'est tout ce que j'ai besoin, en fait. Par exemple, là, étant brumeux, c'est toujours bien d'avoir à portée de main, vous voyez. Le petit gadget, là, qui vous donne vite fait où est le nord, ouais. Comme ça, parce que c'est bien pleuvoir, mais bien comme il faut. Alors, je me suis dit, oulala. Puis là, ben, ça s'est arrêté. Alors voilà, je me retrouvais avec mon parapluie sur la tête là. Et puis mon KOE. Donc direction Valbert. Rallonger mon itinéraire. C'est pas grave. Même si c'est grave, ça fait chier. Enfin bon. C'est pas grave. On me retrouve à nouveau sur un chemin. Direction Valberg. Parce que là, ça va me rallonger, mais bon. Pas à quelques kilomètres près, quoi. Non. Ouais. Oh, ça m'emmerde, quoi. Là, on voit où j'étais. Alors, là où je me suis pris la pluie. Et je suis descendu où il fallait pas. Hein, parce que, voilà, parce que ça descendait. Alors j'étais bien. En fait, il aurait fallu que je suive cette ligne de crête, là. Et faire cette ligne de crête. Enfin voilà ce que je devais faire, mais je sais pas où j'en serai en ce moment là, mais toujours cette large piste. Jeremiah Johnson dans la montagne s'en est allé. Il voulait chercher l'aventure et l'oubli de son passé. J'ai senti une odeur de clope. Il y a quelqu'un qui fume là. C'est bizarre. Il est tout seul là, mais. Ouais, donc là je me suis posé là sur ce champ plein de champignons, hein, comme vous pouvez voir. Je connais pas grand chose en champignons, mais ça doit être des baveux, ça s'appelle. Pas que c'est pas terrible à manger. C'est comme les cèpes, quoi, c'est plein de mousse. C'est quelques années de ça, j'avais ramené plein de trucs comme ça là. Je croyais que j'avais chopé des cèpes. Il a dit non, c'est des baveux, c'est pas bon avec tes. Alors j'ai laissé tomber ma passion pour les champignons. Chipot froid. Très très bon. J'ai pensé que je n'ai même pas regardé si ma chipot avait disparu au bivouac. J'ai pris la pluie et puis j'ai pris un chemin qui descendait par là. Et puis je me suis retrouvé ici. Je dois être. J'ai repris la marche parce que je commençais à me refroidir. Là. Puis avec la pluie, là, on voilà à nouveau avec mon parapluie sur la tête. Un coup il pleut, puis un coup ça s'arrête. Le problème c'est que le vêtement de pluie, après on a chaud là-dessous, quoi. Le soleil a apparu derrière moi. Et ça me manquait pas ça. Il montait comme ça là.
trop rude. Elles peuvent avoir peur de moi. Hein? T'as peur de moi, toi? C'est pas bon. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, elle qui a les cornes là. Hein? Dans certaines régions, les vaches sont agressives à cause des attaques de loups, justement. Bon, ce qu'il faut, c'est marcher doucement. Ne pas marcher rapidos. À un moment, il y a la peur qui vient à une vache et puis elle vous fonce dessus. Je marche pas rapidos parce que ça peut les effrayer, ça. Ils ont l'air sympa comme ça et puis à un moment, ben, ils vous chargent et puis vous demeurent. Et puis quand ça vous charge ou ça, ben, ça peut être très dangereux, voire mortel, hein, attention. Hein. Je dirais pas comme ça, une vache, oh une vache. Voilà. Pas un taureau, mais il faut faire attention. Surtout dans ces régions-là où il y a le loup qui vient les attaquer, quoi. Surtout quand elles ont des veaux, enfin des petites vaches. Je les laisse assez écartées de moi, vous voyez, à une distance. En même temps, je parle doucement et je me déplace doucement. Le fait de se déplacer doucement est important. Ouais. Ah, il y a un veau là-bas, vous voyez. Alors là, le veau, c'est ce qui repère le loup, savoir. Quand il y a un petit veau comme ça, il y a danger. Je me suis un peu vautré en topo, encore une fois. Parce que j'ai pas trop le nez dans la carte, vous voyez. La carte, elle reste dans la poche. Je me contente de suivre un chemin, là, une pistouille. Et puis à un moment, ben, quand je la sors, je me dis, oh putain, trop tard. Il faut toujours, dès qu'il y a un doute, là, hop. Et voilà, il y a une route, là. C'est la départementale qui va vers Guillaume, ça. Voilà. Alors, ben, vraiment, bon, sinon, je pourrais suivre cette route et arriver à Guillaume et redescendre au Robert. Pour récupérer ma voiture. Et ouais, mais voilà, donc sur cette départementale qui relie Valberg à Guillaume. Là, je suis au col de Valberg. Voilà. Et il pleut. Hein. Voilà. Il pleut, mais ça va. Alors là, c'est Valberg. Raccourci par rapport à la route. Il y a trop de distance encore. La nuit va tomber. Donc je sens que je vais me remonter la tente. Là en plus il y a l'orage, en plus il pleut. Ça a l'air ça bronzé là. Voilà, il faut que je prenne une décision. Soit je continue à marcher jusqu'à ce que j'en puisse plus là. L'air de rien, je marche. Hein. Toute la journée. Voilà, si je trouve un coin pépère là, je vais me retaper un deuxième bivouac. Là. La piste est large ou étroite, et l'aigle ou le moineau qui passe, d'en haut lui trace la voie droite, la voie droite. Je me suis retrouvé à monter ma tente. Manier parce que le tonnerre il grondait là, la pluie commençait,
truc comme maintenant. Là. Et puis après, ça s'est arrêté. On me disait avant que ce soit trop tard, je monte pas tant de vite fait. Puis, Bon, en tout cas, j'ai trouvé un endroit bien plat. Et ça, c'est par rapport à la nuit dernière, je suis tombé sur un truc. Ah, ça vaut rien. Là, je suis bien. Donc voilà, ma tente. Sert vraiment de la place quoi. Ouais. Je peux m'étaler, voilà mon abside là. Voilà, je peux faire chauffer là ici. Là. Ouais, je suis peinard quoi. J'entends la pluie qui coule, qui tombe. Et... Je suis à l'abri. Ça j'aime bien. J'aime bien être à l'abri. Entendre la pluie qui tombe là. Oh merde, demain j'avais rendez-vous chez le coiffeur à 8h30, ben j'y serai pas quoi. Sinon, on pourrait croire, deuxième bivouac, oulala, c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. Mais en fait non, je suis plein de bouffe encore, je peux tenir encore. Bon, ça c'est un truc lie-off, hein, c'est au cas où. Ça c'est quand on a de la flotte, voire de l'eau. Sinon, s'il me reste un peu de un pain avec un saucisson lyonnais et des radis. Et pour rincer tout ça, évidemment, un petit coup de merlot. Bref, vous l'avez compris, c'est l'éclat total. Avec un petit son musical, ouais, pour mon état d'esprit, c'est hyper important. Un morceau de fromage, de parmesan, petit morceau de fromage, comme ça, hein, avec un radis. Je m'éclate avec ça, c'est génial. Je pensais qu'il allait tomber des cordes d'eau vu qu'il avait grondé tout à l'heure là, le truc là, blaou, ça avait fait là. Et non. Petite pluie de. Rien du tout. Il ne me reste plus que un radis. La fin de l'abondance et de l'insouciance. Je percute vite fait là, alors je me suis mal le cul à monter ma tente. Je me suis dit il va y avoir des trompes d'eau. Bon, en fait, il pleuvine, ça va quoi. Bah, du coup, j'ai arrêté ma progression, quoi. Et puis, je me retrouve ici. Le bosquet, là. J'ai même pas reconnu, parce qu'habituellement, je regarde autour, mais je vais faire une recoupe. Bah, voilà mon coin refuge, là, où je suis, ma foi, bien. Sauf qu'un... Sauf que celui-là, il a pris un coup. Quoi. Il me reste ça. Il me reste ça. Bon, ça va, quoi. C'est bon. Ah, c'est sympa, quoi, ça. Une espèce de prairie, là. Que tu fais là, toi? Oui, des poudres. Oui, des poudres. Avec des grandes oreilles, là. Mon pauvre. En plus, il est sympa, celui-là, en plus. T'es sympa, toi. Ça se sent. Bon, ben, je crois que j'ai pas grand-chose à dire ce soir. À part que j'ai plus qu'une batterie de caméscope. Et après, c'est fini. Alors, je vais arrêter là de filmer. Je filme pas ce soir, comme ça, j'aurai encore pour demain pratiquement 2 heures, j'espère, pour filmer.
Sinon, ben, ce sera The End, quoi, voilà. Hmm. C'est pour ça que... Bonne soirée. Bon... Dream. Nous répondons de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu. Et nous vaincrons par la grâce. La route. Ah, j'ai passé une nuit, ça va, mais... Réveillé en pleine nuit par les aboiements d'un chevreuil. Putain, il y en a... Putain, je viens de parler d'un chevreuil. Putain, le con. Il y a un chevreuil qui vient de courir là devant moi. Putain. Ça se trouve, c'est celui-là. Hein. Ouais, parce qu'il a aboyé, mais... Tout près de... C'est par là que je vais, moi. Ouais, c'est bon, voilà, mon itinéraire. Ouais, j'étais rentré là-dedans, là, par là-bas, pour dormir. C'est ce chevreuil. Il était quoi, peut-être 10 mètres. Il était énervé parce que il a vu une tente, là, un mec qui s'est installé dans son bosquet préféré. Et du coup, ça l'a énervé. Quoi. Enfin bon, c'est assez commun quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Voilà. Ah putain, il y en a plein là-bas. C'est quoi ça? Oh, c'est des chamois. Sympa, puis ça descend tranquillement, c'est cool pour un début. Et nous recommencerons la marche. Tout le monde pense que c'est pour de faux, mais c'est réel. Vieille baraque. J'aime bien ça. Sans l'authenticité. J'ai l'impression que j'ai raté encore ma piste. Quoi. Enfin, j'espère. Par là-bas. Mais là, j'ai plus de piste. Là. Je suis carrément. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Ça. Et là, c'est sur un chemin, mais. Ouais. En tout cas, il va vers l'ouest. Celui qui est le plus haut là-bas, c'est le mont Saint-Honorat. Celui-là. Là, bon. J'avais failli y aller. J'étais très proche avec, avec David. Mais on n'avait plus d'eau. Là, c'était la galère, ouais. C'est qu'il y a plein de chemins qui... Il y a des pattes d'eau alors on se dit tiens, si je prenais par là plutôt que là. Et c'est comme ça qu'après bon, on se promène. Toujours sur un chemin, je ne sais toujours pas où je vais. Il me faut un repère parce que. Bon alors j'espère que ce chemin va me va rejoindre un point caractéristique parce que il est là-bas pour faire un point topo dans ce merdier. Alors, j'ai descendu par rapport à où j'étais. Toujours. On est sur le mont Saint-Honorat. À un moment où j'y suis, ça descend. Je sais dans quelle zone je suis à peu près, mais.
exactement où. J'ai aucune idée, parce que... Puis après... c'est bon, mais... Je me suis raté un embranchement, et ça... Et là, le chemin, bah, tu vois, le chemin... encore un chemin. Donc voilà où j'en suis. Ouais. Je suivais un chemin qui avait l'air pas mal. Quoi. Je suis en train de descendre un truc de dingue. Un chemin de... En fait, il n'y a pas de chemin. Ouais, je viens de là-haut. Et je continue espérant toujours trouver un bon plan, quoi. Hein. Une route, une piste qui va me sauver. Voilà. Donc je continue ma descente sans filmer parce que non, je filme un peu quand même. Ouais. Vraiment de basculer vers là-bas. Et c'est même pas sûr qu'en bas il y a quelque chose quoi. Qui m'emmerde. Je descends comme un con. On descend, et puis à un moment, wow, c'est le précipice. Quoi. Alors j'espère que il n'y aura pas ça. Sinon, il va falloir que je remonte et que je trouve. Je me sors les doigts du cul pour trouver un chemin. Je viens de. Là, quoi, je suis descendu pour rejoindre cette espèce de rivière et qui descend brutalement quoi. C'est ça qui est mon inquiétude, c'est ça. C'est de me retrouver avec un truc qui plombe, pouf, je me dis putain. Ah ouais, ça le risque en montagne, hein. Il faut rester, il faut pas faire de hors-piste, voilà, c'est mon conseil. Voilà, je vais devoir remonter quoi. Et là, je vais griller des calories, là, c'est clair quoi. Parce que je suis carrément descendu. Hein. Pff, oh là 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 là. Et voilà. Voilà l'histoire d'un mec qui. Houston, we have a problem. Bien fait pour ma gueule quoi, parce que moi je pars comme ça là, avant du cul dans la plaine là, et en avant, et moi je suis remonté par là, un truc qui descend là, et ça a été vraiment, ça a été une galère, je me suis dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, à un moment, parce que j'étais descendu, hein, putain, oh putain, et maintenant, ouais, j'en suis, là je me fais une pause pour retrouver la patate. Parce que putain, ça m'a calmé quoi, ce bon matin là. Oh les poules. Donc bon, je suis déjà content là d'avoir retrouvé ce chemin. Putain. Alors là, j'ai allumé mon géoportail. Hein. Vachement bien. Pour pouvoir vivre avec son temps et voilà où je suis quoi. Vraiment hors piste quoi, parce que donc faut que je remonte là-haut quoi, remonter ce chemin que j'avais descendu auparavant. Ah, c'est toujours marrant, mais bon, c'est un joli chemin. Je n'ai pas compris pourquoi il s'arrêtait d'un coup là. Alors là, j'ai sorti mon téléphone avec l'application Géoportail. Ah, c'est quand même bien, j'ai pu savoir exactement où je me situais. Et puis voilà, je sais qu'il faut que je remonte. Oh, que c'est ça, c'est... sauvé par la nouvelle technologie. Le portail. Toujours en train de remonter mon chemin. Toujours
toujours sur le chemin que j'ai pris, qui était agréable en plus ce chemin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus quoi. Je vais sortir mon application Géoportail pour voir où j'en suis. C'est j'en ai marre de me pourrir. Je suis, ça s'appelle les crottes. Bon, il y a ça. Ouais, j'ai toujours au hameau de la crotte. Je suis installé sur un petit banc là. Il me reste une trotte à faire jusqu'à Guillaume. Il me reste plus que je vois à l'écran là un pavé pour filmer. Alors voilà, il faut que je vous explique comment on se plante. Enfin, vous allez dire, ouais, parce que t'es nul, c'est tout. Voilà, bon, j'étais sur le bon itinéraire ce matin, voilà, j'étais là. Et d'un seul coup, j'ai vu quoi? Deux chamois, là, ou deux chevreuils, je sais plus. Et que, d'ailleurs, j'ai filmé, là. Et puis après, ben, j'ai continué par là, là, vous voyez. Voilà. Alors que... Il aurait fallu que j'ouvre ici. Mais bon, bon matin, il fallait savoir qu'il fallait passer là. Et parce que mon repère jaune, vous voyez, il est là-bas. En fait, j'aurais dû prendre par là, vous voyez. Voilà. Et alors, ce qui est encore plus malheureux, en plus, pour moi, c'est que on voit mon lieu de bivouac, vous voyez. Parce que j'ai repéré mes chevaux hier. Ils sont là. Pas loin, de, juste à côté, à même pas, elle est à 50 mètres où j'ai bivouaqué, quoi. Ah là, là. En plus, là, il y en a des repères. Je vais pas me paumer, là. Ça fait plaisir, en vrai. Je suis sur le bon chemin. Vu que c'est ma batterie qui clignote, là. Alors, je sens que ça va être la fin de... Je vais filmer cette espèce de traousse là, à laquelle je toujours rentre. On sort de l'autre côté. Pour conclure avant que tout s'arrête. Et qu'est-ce que je vois là-bas? C'est quoi, j'aperçois là. Tiens, ouais, ça clignote, ça veut dire que je vais être coupé. J'ai plus assez de batterie. Donc, au revoir tout le monde. J'ai pas fini parce que je sais pas si vous voyez, mais putain, ça descend. Tu t'en...